Voilà, aujourd'hui on va aborder un nouveau concept de vidéo. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait une nouveauté, j'avais fait une vidéo plus ou moins du même style avec la vidéo sur Benatia, mais avec cette vidéo on va vraiment lancer le nouveau concept. Donc c'est parti pour un 5 choses à savoir sur Younes Belhenda. À la fin de la saison 2012-2013, il s'était blessé avec l'équipe nationale. Comme la saison était terminée, il avait 3 semaines de repos, donc il avait bien le temps de se la couler douce comme font tous les footballeurs, mais il a préféré faire une Umrah. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la Umrah en fait c'est une sorte de petit pèlerinage à la Mecque. Et d'ailleurs il avait été avec Karim Aïtfana et aussi avec El Kaoutari, ses deux coéquipiers à Montpellier et en équipe nationale. L'avantage de jouer dans une grande équipe comme le Dynamo Kiev, c'est que chaque année tu joues l'Europe. Mais malheureusement, des fois tu dois aussi te déplacer en territoire occupé. Et ça a été son cas quand il devait se déplacer à Tel Aviv avec le Dynamo Kiev. Mais il a trouvé une astuce, il a simulé une blessure pour pas y aller, vu que bien sûr, il boycotte cet état illégal. Tout le monde sait c'est qu'avant d'être le milieu offensif qu'il est maintenant, il jouait plus bas en tant que milieu défensif. Par contre, très peu de gens savent qu'avant tout ça, il était défenseur central et même libéraux. C'est dommage, s'il avait continué, la défense du Maroc aurait pu être composée de lui et Benatia. Dans le vestiaire de Montpellier, ses coéquipiers aimaient bien chambrer sur ses orteils plus volumineux que la moyenne. Ça lui a même valu le surnom de dinosaure. Quand il a signé à Nice, la majorité se réjouissait de son retour en France. Mais encore une fois, c'était pas le cas de Riolo. Il avait des doutes sur le niveau de Belhenda. Bon, ça c'est son droit encore. Mais il s'est permis de dire « Ouais, Belhenda a plus le même niveau qu'avant, maintenant il passe plus de temps à prier qu'à jouer au foot et tout ce qui s'ensuit. » Mais s'il te plaît, à quel moment la vie privée de Belhenda le regarde? Enfin, soit. Le principal, c'est qu'après, il a fait ses preuves sur le terrain et puis notre ami s'est excusé. Voilà pour ce premier numéro de 5 choses à savoir sûr. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.